Nous jeudi à mercredi 28 mars 2018. Bonjour tout le monde. Nous comptons rentrer la carte pour nous capoter pour troisième sortie téléjournal là pour semaine si là. Mes principales points cap gain pour faire essentiel dans le journal là pour maintenir pour une fois qu'on a au état-major force l'armée d'Haïti a installé mardi 27 mars 2018 là dans le palais national. C'était occasion pour commandement chef par intérim force l'armée d'Haïti a lieutenant général Jodnel Lesage te présenté officiellement par président République là 6 membres qui formaient au état-major si là. CIM a dit 27 mars la ministre éducation nationale avec formation professionnelle la Pierre Josia Génor Kader lancé officiellement concours musique sous drapeau haïtien inscription pour concours a déjà commencé depuis la fini 15 mars il commencé depuis 15 mars la fini 15 mai cap vini là. 500 familles dans Gros Monde Chandelle, localité Jasmin, dans la commune Gressier, bénéficiaient pendant le week-end qui s'est passé là, appareil pour capable mettre courant la caillou dans le cadre des programmes CAIPAM clairé. L'école professionnelle JB Damier recommence le travail après 4 mois été fermé. Professeur Cap réclame plus bonnes conditions de travail. Avec les nominations, dit retourner dans la classe sous base promesse directeur général institution nationale formation professionnelle Magui Diossé Tefeu. Ensemble pour savoir qu'un pilote a fait essentiel la troisième sortie téléjournal là. Restez branchés, n'a pas tourné dans quelques secondes. Merci parce que toujours été bien chez Télévision Nationale d'Haïti. Bienvenue dans le développement information. Je viens de annoncer les différents titres. Pour une fois qu'on a un état-major force l'armée d'Haïti a installé mardi 27 mars 2018 là dans le palais national. C'était occasion pour commandement chef là par intérim force l'armée d'Haïti a lieutenant général Jovenel Lesage présenté officiellement par le président République là Jovenel Moïse 6 membres qui formaient un état-major si là. Installation ça fait suite à deux arrêtés présidentiels qui étaient publiés dans la date 16 et 17 novembre passé. Côté chef l'État a rétabli force l'armée d'Haïti et puis nommé un commandement chef qui a gagné une mission qui pour créer un état-major. Compte rendu, Sabine Jean-Étienne avec Journal du Vernet. Environ 4 mois après le président républicain Jovenel Moïse prend décision pour rétablir force l'armée d'Haïti et puis nommé un commandant chef. Nouvelle force l'armée a commencé à prendre jarret. Installation au état-major à journée madian, c'est un nouveau pas important qui franchit dans le processus retour l'armée d'Haïti. Il y a là-dedans 6 membres. Colonel Sadrak Saint-Il, général de brigade, chef état-major général. Colonel Jonas Jean, inspecteur général. Colonel Jean-Robert Gabriel, assistant chef d'état-major G1-G3. Colonel Derby Guerrier, assistant chef d'état-major G2-G4. Colonel Joseph Jacques Thomas, secrétaire état-major général, et puis colonel Fontane Beaubien, membre état-major personnel commandant en chef là. Ces dispositions qui sont en tout point conformes à la Constitution illustrent éloquemment votre engagement, Monsieur le Président, ainsi que votre ferme volonté d'appliquer notre charte fondamentale qui dispose en son article 263, et je lis, La force publique se compose de deux corps distincts, les forces armées d'Haïti et la police nationale d'Haïti. Outre la dissuasion qui est la mission naturelle de toute armée, les forces armées d'Haïti à travers ses corps et services spécialisés sont aujourd'hui un puissant outil dans la gestion des risques et des désastres pour un pays exposé en permanence aux catastrophes naturelles parce que situées sur la route des cyclones et traversées de part et d'autre par des failles qui ont causé le tremblement de terre du 12 janvier 2010 dont beaucoup d'entre nous ont en mémoire les ravages. Depuis la période de campagne électorale, la position président Jovenel Moïse était toujours claire sous question rétablissement de l'armée. L'elle expliquait un pays doit une force militaire pour défendre différentes voies qui baillent accès au territoire. Pour participer dans le travail infrastructure et puis pour porter secours dans un moment catastrophe naturelle, pour ne citer ça seulement. Chef l'État a dit qu'il est engagé pour mettre sous pied toute institution la loi prévoit pour gagner dans le pays. Pendant le fait quelques recommandations à nouveau membres état-major. Je me suis engagé à doter le pays de toutes les institutions prévues par la Constitution en vue du fonctionnement harmonieux de l'appareil d'État. En particulier,
le Conseil électoral permanent. Je veux vous dire ma profonde reconnaissance ainsi que celle du peuple haïtien. La tâche qui vous attend est écrasante. Vous n'aurez pas de répit. Vous avez la responsabilité de bâtir cette école de civisme, de patriotisme et de dépassement de soi. Vous insisterez sur la formation et l'entraînement comme vecteur de discipline. N'oubliez pas que sans la discipline, l'armée est une gangrène qui peut envahir le corps social. Sachez tirer les leçons du passé pour réussir le présent et permettre à la nation d'engager l'avenir avec sérénité et confiance. Vous aurez tout le support nécessaire pour accomplir votre mission dans les limites des moyens de la République. Cérémonie ça a déroulé en présence Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine, président de Chambio dans Parlement, président Cour cassation et représentant corps diplomatique là. Merci à la collaboratrice nous, Sabine Jean-Étienne, qui t'a présenté nos comptes rendus ici là. L'autre information, ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, là, Pierre Josué Génor Cadet, a lancé mardi 27 mars 2018 là, un concours musique sous drapeau haïtien. Concours ça peut dérouler sorti 15 mars pour arriver 15 mai sous thème drapeau c'est fierté Haïti, c'est pas nous, en nous mettez main. Activité ça a réalisé en présence de plusieurs artistes haïtiens qui ont fait partie membre jury qui parmi eux nous gagne BIC Jean Roosevelt Tamara Suffren compte rendu Falande Delphin et Michel Joseph. Concours a déroulé sous plusieurs étapes tant cours sélection 10 meilleurs groupes vote public là pour prestation live classement groupe et publication jury à ce classement. Musique yo pas de durer plus passer 4 minutes. Groupe participant yo doit composer pour petit 3 élèves sorti dans 14 pour arriver 20 l'année. Originalité, composition texte, cohérence parole et exécution chant, c'est différents règlements participants doivent respecter pour concours ça qui a pour objectif sensibiliser jeunes sur l'importance de aller vivre ensemble avec drapeau. D'après ministre de l'Éducation nationale, la professeure Pierre-Josué Agénor Cadet, concours ça qui a fait dans l'occasion de la jeunesse là tout, c'est un des différents moyens gouvernement a utilisé pour intégrer jeunes plus dans le développement pays. Nous déjà fait un pile concours déjà, c'était concours littéraire sous 18 mai sous drapeau et nous t'ai fait concours tout sous l'autre bagaille tant pour encourager la production scientifique la caille jeune université à position université yo. Jodi a nous dit faut que nous sortir dans en monotonie. Donc nous pas encourager sous plan artistique tout parce que nous connaissons nous son pays qui produit un pile artistes. Donc c'est ça qui fait tout. Jodi a nous gavé nous quatre gros artistes qui passaient de présentation. Donc Jean Miloudi Sodil, pas même besoin parler de yo. Donc tout le monde connaît l'ordi et Tamara ou dit BIC ou dit Bello ou dit Jean-Jean Roosevelt, yo connait ça savle dit dans pays d'Haïti. Jeunesse ta connait très bien tout et jodi a nous dit nous besoin qu'on l'autre jeunesse. C'est peut-être ça jodi a dans occasion 18 mai qui c'est en même temps fête drapeau, fête l'union, fête université, fête la jeunesse. Nous lancer concours ça sous thème que nous capable là et bien drapeau c'est fierté nous. Haïti c'est pas en mettre main et bien quatre gros artistes ça yo pral dans tout pays avec nous avec jeunes yo et bien qui pral produit des textes pral chanter et textes pral passer dans en bas bon jamais et monde qui connaît musique monde qui connaît composer monde qui connaît texte et c'est dans sens ça tout nous dit jodi a faut que nous créer l'autre moyen pour nous capable intéresser jeunes yo pour nous capable meubler esprit avec bon bagaille de manière pour nous capable faire pour yo capable quitter sa nouvelle activité tisourit nous besoin jeune yo gagne l'autre orientation. Quelques artistes yo qui étaient présents dans moment ça montrer dévouement avec volonté yo gagne pour accompagner jeune sa yo dans reconnexion yo avec patriotisme. Artiste Jean-Jean Roosevelt avec Tamara Souffrant était quoi c'est meilleur moyen pour aider timoun yo prendre l'autre direction par rapport à société actuelle là et puis développer talent yo avec concours drapeau ça c'est pour en quelque sorte faites timoun yo reconnecter vraiment avec le sens du patriotisme et me pense que et la musique qui c'est un médium qui est beaucoup plus facile pour faire passer des messages et nous et accentuer sur ça
Ça va faire que Timoun a développé talent et tout. Et c'est là que nous allons joindre de l'autre Jean-Jean, de l'autre Bello, de l'autre Émile Michel, de l'autre BIC, de l'autre Tamara. Donc ça va permettre nous faire connaissance avec des talents extraordinaires que nous joignons déjà. Parce que dans le concours qui était organisé justement par le ministère de l'Éducation nationale, déjà nous joignons des séries de Timoun qui sont magnifiques, qui écrit bien, qui chantent bien. Et ça, c'est très important pour nous faire développer. Chanter 10 finalistes concours ça après le constituer un album cap enregistré sous supervision artistio cap servi comme guide pour jeunes ça yo. L'autre information journal là dans cadre programme Kaipam Cléré 500 familles dans Mona Chandel dans localité Jasmin qui trouvait dans commune Gressier bénéficier pendant week-end qui souhaite passer là appareil pour capable mettre courant la caillou. Population qui bénéficie appareil ça remercie exécutif là le fait que t'es porté accompagnement ça pour yo. Compte rendu Anne-Marguerite Auguste avec Hervé Pierre. C'est l'ambiance que content ça mon yo bénéficier appareil pour mettre courant la caillou. Yon appareil cap éliminé lamp tête gridap baleine bois pain mon yo te kon utilisé pour clairer caillou nan nuit. Appareil ça offre yo possibilité pour lumer 4 ampoules, charger téléphone yo, jouer radio. Bénéficiaire yo exprimé que content yo pour accompagnement ça président République là Jovenel Moïse Bayo cap aider yo transformer la vie yo. Yo croit énergie c'est un moteur développement yon pays. Dans ce sens, yo pense engagement ça président prend en faveur yo à permettre participer dans effort qu'a fait pour développement durable pays à ak croissance économique là. En pile nan yo estimé yo tap mouri yo pa tap wè côté yon ampoule lumé mais grâce à matérialisation promesse électorale ça pral améliorer condition la vie yo. Pense que avec lampe ça gouvernement distribué la améliorer situation surtout les timoun a besoin étudier a capable étudier en forme. M'bat gen courant la kay mwen. Les met courant les fini bon mout. Nous même non presque chaque ça k'ap bay nous pensait pas bénéficier rien. Mais journée jodi là ça fait un plaisir. Nous avons choisi voter Jovenel, même moi, votre m'a pas perdu. Nous avons lumière qu'on y a là, nous connaissons l'autre bagarre à faire pour nous. Merci, président Jovenel Moïse. Tellement satisfait, m'a prié bon Dieu pour nous prendre l'autre mandat encore. Parlementaire à Kelly local, commune Gresséa, salue et j'ai fait ça, président Jovenel Moïse, a fait pour monde qui vivent dans une zone reculée. Permettre qu'il y ait des clairs, c'est changer la façon dont ils ont vivre, aider à reprendre l'activité économique dans la nuit, qui permettre la zone de développer plus vite. Ça qui va faciliter Timounio, jouer éclairage pour étudier. Ça qui va faciliter les familles responsables, jouer une possibilité pour charger téléphone. Et vous va gagner, vous quitte la radio là dans le tout, qui va permettre d'informer leur catastrophe naturelle pour connaître qui mesure que vous devez prendre, qui comportement que vous devez gagner. Jean Président, dit, la privée dans le côté qui est plus loin dans le pays. Dans petite section, dans petit quartier, pour nous voir comment nous capables arriver faire éclairage dans tout le pays. Jean Président parler de courant 24 sur 24. Et que parfois, nous avons vu dans la zone, nous promettons qu'il n'y a pas marché. Mais vie avec le président, député, vice-délégué qui est ensemble avec nous, et par rapport avec gens que moi-même, j'étais longtemps, j'étais casé depuis 2006, et la section m'a été bouchée. Actuellement, là, je sens que je vis bien parce que la section m'a vraiment débouché, ni en route. Même le système d'électricité là, bon, qu'on est là, bon, bacadou, que j'en suis content. Et comment m'accueillir le système ça, bon, malgré nous connaissons pile problème dans la section communale là, parce que nous connaissons pas l'hôpital, mais nous attendons toujours, parce que nous connaissons le président, attend de nous, et député, vice-délégué, tout, attend de nous. C'est 500 familles dans Mona Chandel, localité Jasmin, en Gressier, qui recevoir appareil pour mettre lumière la caillou. Président Jovenel! Et quand ça coule son, mettez-nous en lumière, mettez-nous, pour nous joie, nous content. Merci avec collaboratrice Anne Marguerite Auguste qui t'a présenté nos reportages Sila. Après environ 4 mois, il a été campé travail, professeur l'école professionnelle JB Damien, il a recommencé faire cours, professeur Sayo Cap réclamé puis bon conditions de travail avec les nominations, fait qu'on est retourné dans la salle classe sous base promesse directeur général Institut National de Formation Professionnelle là Magui Diacité Fayo dans cadre yo rencontre. Johnny Abikase Yusak Henri Robert Chéri, t'éviter l'école c'est là, il y a dit non plus. Contrairement à ce que j'ai fait 4 mois avant, habitude de travail pratique, acte causerie qui était connu dans l'école JB Damier,
retourné encore selon Fritzner Joseph, qui est professeur mécanique autodiesel. Professeur qui t'a expliqué raison qui t'a fait au camp de travail dans l'école là, mandé l'État haïtien fait ça qui est possible pour nommer et régulariser professeur l'école professionnelle qui est dans une situation difficile dans le système. Là. C'est le dernier mois là que professeur vient garder Madame Maggie Dissé. Il était venu dans une rencontre là ensemble avec étudiants professeurs qu'on lui demandait un trêve parce qu'il dit l'app travail. Donc qui sa revendication yo yé d'abord c'est nomination professeur yo l'état bail augmentation à secteur l'école classique là professionnel pas jamais joindre rien ou joindre encore gagner professeur qui travaille qui fait même travail chaque a touche un salaire différent. Donc tout bagage ça yo yo gagne des avantages sociaux qui yo bail l'autre employé l'état yo même yo pas joindre ni. Donc tout ça c'était cahier revendication yo et bien INFP dit que l'app travail donc bal fait le crédit étudiant yo féliciter professeur yo pour décision yo prend pour retourner dans salle classe yo mandé responsable éducation nationale la formation professionnelle yo respecter promesse yo fait professeur yo pour éviter yo perdre jour classe encore étudiant yo même yo souffri en pile parce que depuis dans mois décembre 2017 nous sorti l'école là c'est en mois de mars encore là nous vient commencer à fonctionner. Malgré retour yo dans sa classe, revendication yo pas changé selon professeur Fritzner Joseph. Professeur a mandé responsable yo pencher sur fonctionnement l'école professionnelle yo. Nous parlons pour qu'on y ait un parlement haïtien pour nous faire qu'on ait une commission éthique et anticorruption. Sénat République l'a rencontré mardi 27 mars passé à dirigeant forum économique sur question contrebande. Sénateur Yuri Latortue encourage les membres du forum économique à appuyer la lutte contre la contrebande gouvernement mené une façon pour éviter l'étape de trop cob. D'après ça, dit contrebande a empêché l'État haïtien d'investir dans quelques projets qui sont capables de bénéficier. Fils de population haïtienne. Nous avons rencontré avec le secteur privé pour nous recueillir d'autres informations en plus que ça nous avons recueilli dans le gouvernement. Nous connaissons au niveau du gouvernement, nous avons recueilli des informations qui allaient au niveau de chiffres. Et franchise là, elle était évaluée à 10 milliards 500 millions de gouttes de dépenses du gouvernement pour la dernière année, 40% de nos importations. Faute fiscale environ 10 milliards de gouttes, c'est-à-dire c'est perte nous fait. Et contrebande, environ 500 millions de dollars, soit 35 milliards de gouttes, qui fait que nous constatons que gagner 55 milliards de gouttes dans le domaine ça, que notre crédit nous prélevé comme perte. Contrebande, c'est perte, faute fiscale là. Sauf nan, au niveau de franchise là, gagner des franchises diplomatiques que nous connaissons qui obligatoires. Et d'après le code d'investissement, il y a certaines franchises que vous devez bailler. Mais là, nous regardons, nous avons un pile d'autres organismes qui recevront franchise, normalement qui pas utilisé. Les gens qui doivent utiliser, et ils viennent en perte pour l'État, puisque l'État a cherché à créer emploi, l'État a cherché à fournir l'autre service public que le PAC a fourni à l'autre organisme, et nous, ce n'est pas ça qui fait. Mais je dis à nous regarder dans les détails pour nous dire, la question contrebande, comment le secteur privé a fait. Et je dis à moi, quoi que, l'engagement retrouvé, puisque au niveau du secteur privé, on a parlé de toute importation légale, eh bien, ils voulaient renforcer la frontière là, c'est-à-dire que renforcer quatre points légaux que nous gagnons pour mettre tous les services, douane, sécurité, et santé, et agriculture. Ils voulaient que, justement, il y ait d'autres points sur les routes principales qui développaient pour contrôler la CAFET. Et vous voulez renforcer la coopération qui est en deux douanes. Puisque en douane haïtienne et douane dominicaine, vos protocoles qui sont signés pour que l'importation qui a fait venant de la République dominicaine, vous connaissez et que douane déjà connaît haïtienne pour que le taxe, mais elle n'est pas appliqué. Et également, il y a un pile agent douane qui est compétent, mais qui n'a pas de matériel nécessaire. Donc, vous faites plusieurs propositions. Parce que même si vous avez un membre, en dans secteur privé a, qui canan contrebande qui canan fraude mais yo même de façon institutionnelle yo veulent résoudre problème yo et c'est l'État qui pour courir derrière mamzayo.
Association médicale haïtienne Paris pour célébrer 70 l'année existence. Les fêtes 8 avril 2018 cap Vinina. Pour marquer date ça, association côté organiser plusieurs activités tant que conférence, débat, organisation, formation pour divers médecins dans pays. Président AMH là docteur Jean Huguens annoncé y a organisé un congrès sorti 4 pour arriver 6 avril dans Port-au-Prince. Rendu, c'est quoi pas qu'il y a un gros berger. Objectif association médicale haïtienne, c'est assurer formation continue pour professionnels santé, organiser activités scientifiques et puis renforcer éducation sanitaire. Président association médicale haïtienne, Dr Jean-Hugues Henry, fait connaître les satisfaits pour le travail association réalisé dans ce sens pendant l'année passée. Il renouvelle volonté pour continuer sous même lancée. Président AMH là, profiter pour présenter diverses activités yo prévoit organiser pour marquer date 70 ans association. Période nan année 70e anniversaire ça, nous gen plusieurs activités qui étaient programmées et bien évidemment activités scientifiques nou yo parce que yo rentré nan ça que AMH gagne comme objectif contribuer à formation continue membre yo. Mais nous ka dit tout que la semaine dernière nous te gagné plaisir accueilli ici là des étudiants finissant des facultés de médecine reconnues en Haïti ou pas gagné si nous avons fêté 70 ans jeudi et eh bien nous espérons que gagne un pilote 70 ans qui vient encore et bien évidemment pour que ça possible il faut que nous gagnions des jeunes comme par exemple ces jeunes qui avec nous là haut jeunes membres association hein, qui ont même été d'ailleurs membres de comité 70e anniversaire ça après le jubilé ce qui fait chaque année pour les médecins ayant complété 50 années de carrière médicale donc exceptionnellement pour année 70e on a bien deux jubilés une qui a fait le 7 avril et une autre qui a fait un petit peu plus tard et bien évidemment pour toute cette année nos activités scientifiques vont se poursuivre. Et nous allons gagner tout pendant l'été ça, pour la première fois, des cours spéciaux qui vont faire essentiellement pour les jeunes professionnels, soit en rapport direct avec la médecine pour être capable de rentrer dans le cadre de formation continue en tant que professionnel, mais également formation tout sur des thématiques importantes comme l'introduction à la recherche, les techniques de documentation, etc. etc. Santé population rete principale préoccupation tout travailleur santé yo. Dans ce sens, docteur Greta Latayad roi profite bayon ensemble explication sous plusieurs maladies tant que hypertension artérielle, accident vasculaire cérébral, à comportement population doit adopter face à maladie ça yo. Gen maladie que ko vle le ko pa vle li ka tombe sou ou sans volonté ou. Mais gen d'autres maladies que ou même ou capable aider tête ou pa prendre. Mwen vle parler de hypertension ou capable et des têtes ou par comportement. Haïtien mange trop sel. Nous avons un confrère qui tout le temps a une conférence sur ça. L'eau haïtien du ou du haïtien mange peu de sel, moi si je goûte, je le sale. Donc ça veut dire que haïtien définitivement mange trop sel. Yo mange en plus que magi. Tout ça, c'est des problèmes que vous avez. Parce que haïtien pour yo pas tellement chercher manger qui pour bailler la santé ou chercher manger gen bon goût donc dans bon goût l'homme de ti moun moi même bat qu'on a fait cube magi bat qu'on a fait même pas de tomate c'était maman t'ai montré comment bouter font viande prend couleur en dedans chaudière ou pas manger cube magi c'était et poireau persil de bailler comme ça ou t'ai manger en pile l'ail mais kounya sou ba moun moun fò manje pou premier bagali di ou madame oubliye kite l'ajan kub magi donc fò moun yo chanje de comportement définitivement avant journée 8 avril la côté association médicale haïtien a bien pour organiser 65e congrès annuel yo sous thème l'offre de soins en Haïti vers la couverture sanitaire AMH te réalisé mardi 27 mars la yon journée porte ouverte nan objectif pour sensibiliser population sur importance santé action sanitaire yo. Merci à collaborateurs, nous sommes Kwapaki et puis André-Henri Robert, chéri.
Collectif Deux Dimensions, Média Info Plus avec Union Journaliste Photographe Haïtien a réalisé jeudi mercredi un marche pacifique dans la rue Port-au-Prince. Massa, c'est pour capable de continuer porter solidarité avec un journaliste photographe Vladimir Le Gagnon qui disparaît depuis mercredi 14 mars passé. Marche en silence a démarré sous place Constitution pour la bout devant paquet Port-au-Prince. Un extrait dans le micro Rodney d'Orléans que Jean-Lani Bozile. Collectif Deux Dimensions, Média Info Plus avec INJPH, invitez tout le monde à participer avec nous dans ma solidarité pour confrère nous, Vladimir Le Gagnon. Yon marche pacifique, yon marche en silence, qu'a fait mercredi 28 mars là, pour demander l'État prendre responsabilité. Faut que nous jeunes collègues, nous, Vladimir, quitte les vivants, quitte les mourir. A démarré place Constitution, n'a pas monté avenue Charles Soumer devant le ministère. La justice, la vire bord américain dans Charles Soumer, pour nous vivre dans la ville de devant Bois Vénard, pour nous stop devant le ministère de communication, pour demander au gouvernement prendre responsabilité. Après, nous avons descendu dans le Rubicon, pour demander à la police qui ça fait pour date Madame Vladimir déposer un plainte. Nous avons privé tout devant Gilab. Pour demander accompagnement doit mourir. Après, nous prenons la main, tirer, descendre, rue pavé, tête droite pour nous devant le parquet, pour demander au commissaire gouvernement qui ça le fait. C'est date ça, nous-mêmes, jusqu'à présent, nous avons fait une nouvelle information. Toujours dans le même dossier, si là, député 3e circonscription Port-au-Prince, député Printemps Belize a exprimé déception face à la disparition journaliste Vladimir Le Gagnon qui sortit la Cali depuis 14 mois passé et qui pourrait jamais être capable de retourner la Cali. Député Belize a demandé ouverture enquête bon côté autorité la police et la justice pour faire lumière sur question si là. Député Printemps Belize a été dans le micro Fidnia Kofidak, Moïse Oubri, je nous suis. Je profite de ce moment pour me présenter sympathie à toute corporation. Et je profite de ce moment tout pour me rappeler pour toute population et pour la presse en particulier que le quartier populaire, à chaque fois qu'il a fait face à des situations difficiles, soit question catastrophe naturelle, soit question la vie chère, soit question fatra, soit question insécurité, la presse toujours présent dans différentes zones populaires, spécialement au niveau des différentes zones dans le troisième nan. Je voulais parler de Tibois, Grandvin, Descayettes, Matissan, toute zone littorale là, la presse toujours présent beaucoup de populations pour porter revendication aller plus loin. Côté que voit population va abriver. Et m'a prend à titre d'exemple le 13 novembre pendant que moun nan Grandvine te vive un moment tout à fait difficile dans histoire yo. Côté que te gen plus d'une douzaine de moun qui te mouri suite à intervention la police te fait 13 novembre là. Et même police pas épargné côté que te gen deux agents PNH qui te victime qui te mouri. Et laisse ça premier secteur qui était campé bon côté population littéralement la presse qui te permet que tout le monde le monde national et international comprenne ça qui t'est passé en dans Grandvine. Et jodiant là moi-même en tant que député circonscription en tant que citoyen avant tout cap vivant dans troisième circonscription et qui toujours gagné une relation tout à fait correcte avec la presse haïtienne. Et jodi an la, si ke gen youn nan mitan yo ki victime de un zak quelconque, mwen genyen pour responsabilité pour m capable positionner pour m capable porter solidarité ak sympathie bay corporation. Donc c'est dans sens ça nous même nous dit nous sympathiser nous avec presse haïtienne. Et quel que soit côté un journaliste qui est victime, quel que soit c'était Grandvine, quel que soit c'était dans n'importe zone dans troisième là, quel que soit était dans l'autre département en dans pays, nous même nous condamner ça.
Voilà, c'est avec la dernière information ça, que le journal a kaba pour matin. Mais juste avant nous aller, nous avons un point qui est fait essentiel. Oui, l'état-major force, l'armée d'Haïti a installé mardi 27 mars 2018 là, dans le palais national. C'était occasion pour commandement en chef par intérim force l'armée d'Haïti, lieutenant-général Jovenel Lesage, été présenté officiellement par le président de la République là, 6 membres qui formaient oui, l'état-major si là. C'est hier mardi 27 mars là, ministre éducation nationale avec formation professionnelle là, Pierre Jésus Agenor Cadet lancé officiellement concours musique sous drapeau haïtien. Inscription pour concours ça comme commencé depuis 15 mars 2018 là, la fini 15 mai 2018 là. 500 familles dans Mone à Chandelle qui trouvaient dans la localité Jasmin, dans la commune Gressier, bénéficiaient pendant le week-end qui souhaite passer là, appareil pour capable mettre courant la caillou dans le cadre des programmes Kaipam Cléré. L'école professionnelle JB Damier recommence le travail après 4 mois et a été fait fermer. Professeur Yokap réclame puis bon conditions de travail avec les nominations d'y retourner dans la salle classio sous base promesse directeur général Institut National de Formation Professionnelle là, Magui Diossé. Nous te contents ensemble avec vous matin pour nous capable porter pour troisième sortie téléjournal pour semaine ainsi là. On peut souhaiter passer une excellente journée le mercredi. On peut croiser demain matin pour une nouvelle sortie téléjournal là. On peut souhaiter passer une très bonne journée sur la 8.